Trying to connect. I'm in. Okay. You're live? Okay. I'm in, right? Yeah. Mm-hmm. But I can see here. No notification. Oh, okay. Well, press play it. It's on. No worries then. What do you mean? Yeah, it's live. Are you sure? Yeah. People are starting to come. Bonjour, bonjour. Ça va ou quoi? Bah écoute, moi ça va. Hein. Tranquille à la maison. Bah écoutez, hein, c'est compliqué, c'est difficile. Voilà. Le Togo a joué la dernière fois contre le Cap-Vert. Un match bof, un match difficile. Mais comme j'ai toujours dit, hein, à la fin, c'est la victoire qui compte. On a gagné, je pense que tout le monde est content, le pays est content. Mais en sachant très bien hein, qu'il y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de choses à corriger. C'est surtout dans les bons moments qu'on corrige les lacunes, dans les moments difficiles. C'est pourquoi j'ai dit ça. Bon, après ça, c'est notre langage des footballeurs. Hein. Parce que quand ça va, écoute, il y a tant de choses à corriger parce qu'on est content, on accepte les critiques, on écoute les gens. Mais quand on n'est pas bon, ben là, de toute façon, c'est difficile. Les critiques sont difficiles à accepter parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, déjà, ça bouillonne, ça nous énerve. Pourquoi on n'a pas été bon, pourquoi on n'a pas gagné, pourquoi on n'a pas bien joué. Et là, je tiens vraiment à féliciter les jeunes parce que ça n'a pas été facile. Mener 2-0 au score à la maison devant le public, en sachant très bien que l'équipe, on a une équipe en ce moment qui est très douteuse. Mais bon, à la fin, comme j'ai toujours dit, hein, c'est la victoire qui compte. On est revenu au score en deuxième mi-temps. Kevin Deke qui nous double, qui fait un super match. Après, on gagne 3-2 à la fin. Magnifique résultat pour le pays. Mais est-ce que, si on me pose la question à moi, est-ce que je pense que le pays peut se qualifier pour la CAN par rapport à ce que j'ai vu hein, je ne vous parlerai que de ce que j'ai vu. Est-ce que je pense que le pays peut se qualifier pour la CAN 2000, je ne sais pas si c'est 2025, ça va se jouer 2026. Je dirais que oui, on a vu, hein, l'envie de jouer la dernière fois, la rage de vaincre, la mentalité d'aller vers l'avant. Ça allait très très vite, il y a eu des beaux gestes, il y a eu des moments où l'équipe a essayé de sauter les lignes, d'aller tout de suite vers l'avant parce qu'on était mené au score. Mais je tiens aussi à féliciter un ami proche, Alexis Romao, qui a fait un super match, qui a montré toute son expérience. Derrière, il était très efficace, il était zen, il était tranquille. Mais moi, j'ai eu un problème particulier, un problème compliqué à gérer, et un problème avec le ministre. Je ne sais pas comment vous dites ça, mais ça m'a saoulé. Voilà pourquoi la dernière fois, je pense, ouais, le match contre le Burkina, j'étais dans les tribunes, mais j'étais dans les gradins surtout. Pourquoi? Parce que je sais que je suis né à Côte d'Ivoire, j'ai grandi à Côte d'Ivoire, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Dieu merci. C'est surtout grâce à Dieu, grâce au peuple togolais. J'arrive au stade contre Eswatini. Je te parle il y a un an, il y a quelques temps. J'arrive au stade, je voulais aller d'un bout à un autre, dans les tribunes officielles bien sûr. On m'a dit que je ne pourrais pas passer derrière le ministre qui était là, le ministre des Sports. Et je n'avais pas compris, j'étais tout de suite énervé parce que ce n'est pas normal. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pris ça du bon côté. Je me suis dit, bon, écoute, peut-être qu'elle est stressée, peut-être qu'elle a peur de quelque chose, peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Voilà pourquoi elle a dit à son garde de corps ou à ses militaires de bloquer la voie. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aller dans les tribunes, dans les gradins contre le Burkina. Mais là, j'étais à la maison, ils m'ont encore appelé, ils m'ont envoyé
l'invitation comme quoi il va falloir que je vienne au stade pour regarder le match. Je suis parti, il y avait un de mon petit frère qui était là. Donc je me suis dit, bah, écoute, un dimanche après-midi, c'est beau de regarder le Togo jouer. Donc j'arrive au stade, je vois Sergio Sport qui était de l'autre côté, qui m'appelait, et moi j'allais vers lui, et encore une fois mon bloc. Donc là, franchement, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, pourquoi? Quand on arrive au stade, c'est quand même un stade, c'est un lieu public. On est là pour un sport, et c'est le même but, on est tous là. Et si le ministre, Madame la ministre, si elle dit que on n'a pas le droit de passer derrière elle au stade, franchement, il y a un problème au Togo. Et là, je vous le dis en toute sincérité, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On parle quand même de quelqu'un qu'on doit respecter énormément, quelqu'un qui doit être avec la jeunesse, quelqu'un qui doit être avec nous, les anciens joueurs pour qu'on puisse aller vers l'avant. On n'a même pas 6 mois. Moi, mon point, c'est que je trouve où? Si, admettons, dans notre tribune officielle, il y avait tous les présidents des fédérations, il y a eu le président de la fédération, il y a eu le président des clubs, notamment président d'Agaza, président de l'Étoile Filante, président de Bikinti Sport, président de tout. Après, il y avait les invités. Normal. Maintenant, admettons, si moi, chez Imamia Adebayor, je ne pourrais pas passer derrière elle au stade, qui pourra passer derrière elle? Mais moi, ça, par contre, je n'ai pas compris et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Et c'est là, donc, ça veut dire que c'est tout le temps. Attends, c'est quand même le football. Tu es madame la ministre. Si le Togo gagne ou si le Togo marque des buts, on doit sauter sur toi. Moi, j'ai appris comme quoi, quand nous, on jouait pour le Togo, quand on marquait des buts, ça rassemblait les gens. C'est-à-dire les nordistes, les gens du sud, tout le monde vient. Tout le monde devenait une famille, tout le monde était content parce qu'à la fin de la journée, on était en train de défendre les mêmes drapeaux. Si je vais dans son bureau et qu'elle ne me reçoit pas, il n'y a pas de problème. Si je vais dans son établissement et qu'elle me dit qu'elle ne veut pas me parler, il n'y a pas de problème. Mais là, tu es au stade. Si tu as peur pour quelque chose, pour X raison, la maman, bah, restez chez vous. Vous n'êtes pas obligé de venir au stade. Le stade, c'est pour se faire piétiner dessus, c'est pour que quand le Togo marque, pour que l'émotion prenne le dessus, pour que les Togolais lambda tombent sur vous. Mais quand moi, je marquais des buts au stade, quand je courais, mais je dansais, je faisais tout, je voyais les ministres, tout le monde sauter dans les bras de tout le monde. Mais heureusement que j'ai fait 20 ans de carrière. 20 ans de carrière, comme de ministre des Sports, j'ai connu. J'en ai connu peut-être 4 ou 5 ou 6, même peut-être plus. Donc si on doit aller au stade et comme on n'a pas le droit de passer derrière le ministre des Sports, bah restez chez nous, quoi. Donc voilà, moi je pense que maintenant il va falloir que ça soit clair. Si c'est pour aller au stade et que je n'ai pas le droit, bah écoute, si on n'a jamais attendu dans l'histoire du monde, hein, on va pas prendre que le Togo. Après, peut-être que je peux toutefois me tromper. Moi, je n'ai jamais attendu quelque part comme quoi il y a eu un coup d'État pour un ministre des Sports au stade. Il y a eu un enlèvement d'un ministre au stade. Ils ont tué un ministre des Sports au stade. Donc, elle a peur de quoi? D'autant plus que, c'est pas comme si on gagnait à l'époque quand nous on jouait les matchs à 15h30. À 11h, le stade, il est déjà plein. Mais là, on peut dire, ok, on comprend parce qu'il y a tellement du monde. Mais là, il n'y a pas du monde. Donc, pour moi, c'est pas normal. Et maintenant, comment faire pour avancer? Je pense que maintenant, les éliminatoires sont finis. Le Togo finit bien parce qu'on gagne un match à la fin. C'est bien pour la confiance, c'est bien pour les jeunes frères. Maintenant, il va falloir que Madame la ministre, le président de la fédération, déjà vous deux, moi je ne suis qu'un petit, je ne suis qu'un petit qui va avoir bientôt 40 ans, mais l'expérience me fait dire que si vous vous attendez pas entre vous, le Togo n'ira nulle part. Et moi, si vous venez au stade et que vous me dites que je ne veux pas que les gens passent derrière moi parce que je suis madame, entre guillemets, la ministre, et si on se qualifie pour la CAN, maintenant on n'a même pas le droit de venir au stade. Il n'y a pas de résultat. Chacun fait son truc, maintenant s'il y a des résultats. Donc s'il vous plaît, on va laisser nos égos de côté. Moi je vous ai dit quand je suis rentré après la Coupe d'Afrique des Nations 2000. On est 23, 2022 au Cameroun. Je vous ai dit, ça ne serait pas normal que le Togo ne se qualifie pas pour la CAN. Je vous ai dit ça, haut et fort.
Je vous ai dit, écoute, je suis là, entièrement disponible pour accompagner la sélection, entièrement disponible pour être avec les joueurs. Vous m'avez délaissé, vous m'avez laissé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas besoin de ça. Mais moi, par rapport à ce qu'on a fait, c'est au bout de l'ancien code qu'on tire la nouvelle. D'accord? Mais maintenant, c'est surtout par rapport à ce que nous on a su faire, quand on voit le Togo malmené, quand on voit le Togo qui perd des matchs, on a envie de pleurer, on a envie de mourir. Admettons, maintenant je fais partie des légendes officiellement de la CAF. On voyage ensemble, je voyage avec tous les anciens joueurs, les JJ Okocha, les Ladi Diouf, les Samadjian, les Samuel Koufor. Mais je n'ai même pas le droit de parler. Quand on parle de football, je parle de tout. Hein. Quand on parle de tout, oui, j'ai le droit de me mêler. J'ai le droit de placer aussi mes mots. Mais quand on parle de football, on m'interdit parce qu'on dit que ton pays ne gagne pas un match. Donc, vous comprenez? Donc, ça m'énerve, c'est une honte. Comme les gens viennent chez moi, me disent que maintenant on est très content de ce que tu as su faire parce que quand on va à l'extérieur, quand on dit Togo et quand on dit Adebayo, les gens reconnaissent le pays. Mais moi, je suis content. Donc, voilà pourquoi quand le Togo perd des matchs, moi, je peux mourir parce que d'autant plus que nous, combien de fois on a failli laisser notre peau pour la sélection togolaise de football. Combien de fois on a failli mourir pour le football togolais. Aujourd'hui, on m'interdit d'aller dans les vestiaires. On m'interdit de m'entraîner avec les joueurs juste pour pouvoir les conseiller. On m'interdit de marcher de zone A à zone B au stade parce que entre les deux zones, il y a madame la ministre. Où va le monde? Vous croyez vraiment que Eladi Diouf peut arriver au stade au Sénégal et que le ministre le bloque parce que Eladi Diouf veut passer derrière lui ou derrière elle? Est-ce que vous pensez que c'est possible que on arrête un Asamoah au Ghana parce que, mais écoute, je suis parti au Bénin, j'ai regardé un match entier des Béninois avec le ministre des Sports. Bénin, mais il était à côté de moi. Et il était collé à moi. On a parlé du football, on a parlé de tout et de rien. Même quand on rentre à la maison, c'est lui qui m'a pris dans sa voiture. Maintenant, imaginez que je n'arrive même pas, franchement, à passer derrière les ministres, derrière la ministre. Vous pensez que je peux rentrer dans sa voiture et vous pensez que le Togo peut gagner un match? Déjà, le ministre, madame la ministre, et le président de la fédération, les deux ne s'entendent pas. Je suis togolais comme vous. Maintenant, il va falloir que ça change. Prenez vos responsabilités et assumez-les. Ça fait trois cannes. Moi, quand j'ai commencé ma petite carrière, je suis parti en Europe en 99. D'accord? Je rejoins la sélection en 2000. D'accord? 2000, donc je vais vous faire l'historique de la sélection togolaise de football. Le Togo est qualifié pour la CAN 98. Je n'étais pas présent parce que j'étais très jeune. 2000, le Togo se faisait éliminer. Le Togo s'est qualifié pour la CAN Mali 2002. C'était ma toute première CAN. Le Togo se faisait éliminer. Le Togo se fait éliminer la CAN 2004. L'histoire, mais là où le Togo est rentré dans l'histoire footballistique, dans le football au monde, ou footballistique au monde, c'est 2004-2005. On s'est qualifié pour la CAN et la combine la CAN et la Coupe du Monde 2006. 2008, la CAN au Ghana, le Togo se fait éliminer. 2010, le Togo qualifié. On nous a tiré dessus, bien sûr, on a failli laisser nos peaux au Cabinda. 2012, le Togo éliminé. 2013, le Togo qualifié pour la CAN en Afrique du Sud, là où on a eu la chance de faire notre toute première quart de finale de la CAN. 2015, encore une fois, le Togo éliminé. 2017, le Togo qualifié pour la CAN au Gabon. 2019, Togo éliminé. 2021, Togo éliminé. 2023 ou 23-24 combiné, Togo éliminé. Donc ça fait trois fois de suite, c'est pas normal. Le président de la fédération, ça fait des années, il est là. Je ne pense même pas qu'il a déjà fait une CAN avec le Togo. C'est pas normal. Madame la ministre, elle est là, il n'y a pas de résultat. Mais elle vient au stade avec des gardes-corps, on peut pas le tout, on peut pas passer derrière elle, on peut pas la saluer. Donc, mais à la fin, il n'y a même pas de résultat. Moi, je faisais le malin au pays parce que j'amenais du résultat. Moi, je faisais, oui, je suis chéri parce que je savais que j'allais gagner le match pour le pays. Donc, pour moi, déjà, il y a un gros problème. Maintenant,
Pour l'instant, je ne veux pas parler des joueurs, je ne veux pas parler je veux plutôt parler des dirigeants. C'est à vous. Et depuis que moi, je suis parti de la sélection, les primes de match n'ont jamais changé. Et ça aussi, ce n'est pas normal. Vous imaginez, ça fait 3 ans quand même que je suis parti. Et c'est moi qui ai instauré tout ce qui est prime de campement en sélection, prime de participation à la CAN, prime de qualification pour la CAN, prime de victoire à la maison, prime de victoire à l'extérieur. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais changé. Donc ça fait peut-être 10 ans que j'ai instauré ça. Mais il y a eu des évolu il y a eu, il y a eu évaluation. Il y a des trucs qui ont monté, il y a des trucs qui ont descendu. Mais il va falloir que le Togo décide. Soit on augmente un peu les primes des joueurs, soit on diminue. Maintenant, on parle des infrastructures. Il n'y a pas de problème, on n'a même pas de terrain. Le terrain Kégué, on a Kégué quoi. Donc si pour X raison, il y a un problème, on ne peut même pas jouer ailleurs parce que le terrain, vos terrains synthétiques là, municipal là, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien du tout. Et c'est là où j'étais le plus nul de ma carrière. Parce que le terrain est pourri. Donc, mettez les joueurs dans de bonnes conditions. À chaque fois, on dit pourquoi le joueur dans son club respectif, il est trop fort et quand il vient en Afrique, il n'est pas bon. Mais il n'est pas dans les mêmes conditions. Pour aller au match en Europe, on ne prenait même pas nos chaussures. Juste pour vous dire, quand j'étais à Madrid, même quand on part au match à Madrid, il y a quelqu'un qui nous a amené 3 slips. Donc, tout ce que nous on prenait, c'est nos parfums, nos déodorants et tout ça. Mais au Togo, tu dois tout faire. Tu arrives dans la chambre, il n'y a pas d'eau. Tu arrives lundi ou mardi, vous devez partir mercredi soir. Finalement, vous allez quitter le pays vendredi soir. Vous arrivez dans un pays où vous allez prendre le bus pour faire 7 heures de route, alors que vous avez déjà fait 3, 4 heures de vol. Ben, c'est normal que tu ne peux pas être à fond. C'est normal que le corps est fatigué. C'est normal que tu ne peux pas avoir des résultats. Mais quand on voit le cas sénégalais, mais le Sénégal, cette année, ils ont tout raflé sur le continent. Beach Soccer, Sénégal. Championnat de Coupe d'Afrique des Nations, moins de 21 ans. Sénégal. Coupe d'Afrique des je sais pas, des Charles, je sais pas quoi, du Sénégal. Mais parce que ces joueurs-là voyagent en avion privé. Les joueurs-là voyagent en avion privé, ils arrivent, vont directement à l'hôtel. Il y a le cuisinier qui est dans l'avion avec eux. Mais de temps en temps, je suis togolais, mais de temps en temps, on est à l'extérieur, on est en Zambie. Ou après le match, on veut manger à Koumé, mais parce que je suis togolais, c'est ma culture. Mais tu vas manger à Koumé comment? Tu es en Zambie, tu n'as pas un chef avec toi. Mais traitez les joueurs, mettez les joueurs dans les bonnes conditions. Comme ça, quand il n'y a pas le résultat, ben, maintenant, les têtes doivent tomber. C'est aussi simple que ça. Moi, partout où je joue dans les grands clubs, c'est toujours comme ça. Si vous voulez que ça avance, ben, maintenant c'est les gars. Dites-leur qu'écoute, on a besoin de résultats. S'il n'y a pas de résultats, les têtes vont tomber. C'est aussi simple que ça. Donc, Madame la ministre, elle mettra la pression sur le président de la fédération. Le président de la fédération mettra la pression sur l'entraîneur. L'entraîneur mettra la pression sur son team manager. Et son team manager mettra la pression sur ses joueurs. Et maintenant, englobé par le supporter. Et c'est aussi simple que ça. Le football, c'est pas. Maintenant, posez la question à la fédération. Leur ambition, c'est quoi? Le Togo, c'est quoi? Maintenant, on est déjà éliminé pour cette CAN, c'est fini, Dieu merci. Je suis dégoûté, je ne suis pas content, mais Dieu merci. Maintenant, l'avenir, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Notre vision de la sélection togolaise de football, c'est quoi? Dans 2 ans, est-ce que on veut être qualifié? Si c'est oui, il va falloir que quelqu'un nous dise. Si c'est non, il va falloir que quelqu'un réponde. Si on voyait le Togo qualifié. Parce que la dernière fois, quand j'ai eu à parler avec le coach, le président de la fédération, M. Hakpovi, au Maroc, à Rabat, il m'a dit que l'équipe allait être jeune. Et je lui ai dit, mais écoute, si le Togo, l'équipe nationale togolaise prend 2 ans, ben l'équipe du Bénin va prendre 2 ans. Ben l'équipe du Sénégal prendra 2 ans aussi. Aujourd'hui, si on rajoute 2 ans sur l'âge de Jane, on doit rajouter 2 ans sur l'âge de Sadio Mané. Donc les deux, l'évolution de l'âge, c'est la même chose. Maintenant, ça dépend de ce que tu racontes comme obstacle sur ton chemin. Sadio Mané, il a gagné la Champions League, il a gagné la Premier League. Donc l'expérience, ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez? Donc il va falloir qu'on nous dise que okay, l'équipe elle est très jeune, elle est très jeune, dans 2 ans, on ne peut pas être qualifié.
Dans 4 ans, on va essayer d'être qualifié. Dans 6 ans, on va essayer de passer le premier tour. Et dans 8 ans, 10 ans, on part à la CAN pour la gagner. C'est compréhensible. Au moins, c'est une vision. Moi, c'est en 2005 qu'on est qualifié, quand je jouais les éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est là où j'ai fait une interview. Je disais que je veux gagner le ballon d'or. Donc, c'était un pour moi. C'était ma vision. Automatiquement, la vision devenait quoi? Un objectif à atteindre. Donc, ce que j'y suis fait en 2008. Parce qu'à chaque fois que je me levais le matin, je dois gagner le ballon d'or. Parce que j'ai dit ça dans mes interviews. Maintenant, si tout le monde se dit qu'on va se qualifier pour la CAN 2026, je ne sais pas où ça se passe, où ça se joue, mais là, c'est autre chose. Mais si on est là, on fait le malin parce que je suis le président de la fédération, je ne parle pas, j'ai pas besoin de parler avec la ministre, et je suis là, entre guillemets, je suis la ministre des Sports, j'ai pas besoin de parler avec les légendes ou les joueurs ou. Mais à la fin de la journée, si elle est là, c'est parce que nous, on a tenu le football togolais pendant 20 ans. Donc ça veut dire que il y a eu la sélection togolaise de football avant Adebayor. Il y a eu la sélection togolaise de football avec Adebayor. Aujourd'hui, on est dans une transition de le football togolais sans Adebayor. Donc, Madame la Ministre, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, bientôt, vous ne serez plus là. Là, c'est sûr. Si vous voulez que votre nom rentre dans l'histoire de ce pays, donc il va falloir faire mieux que moi. Il va falloir amener peut-être le Togo en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, moi-même, je viendrai devant vous et je me mettrai à genoux et je vous ferai un petit bisou sur les pieds en vous disant « Maman, merci ». Mais sans qu'il n'y a pas ça, donc pour l'instant, vous n'avez rien fait de mieux que moi. Vous n'avez rien fait mieux que moi. Donc, il va falloir qu'on laisse nos égos de côté. Travaillons dès maintenant pour trouver une solution. Maintenant, je reviens sur le cas Serge Akpo. Les gens pensent que je ne l'aime pas, mais c'est un petit frère avant tout. Serge Akpo, on ne peut pas parler, on ne peut même pas s'asseoir et parler football, Serge Akpo et moi. Parce que ce que j'ai vécu dans le domaine footballistique et ce qu'il a vécu, c'est complètement différent. Donc, on ne peut jamais, en aucun cas, nous comparer. Donc ça, il ne faut pas comparer l'incomparable. Là, on le laisse de côté. D'accord? Maintenant, je vais poser juste une question lambda. Maintenant, vous allez chercher sur l'Internet. Donc, si peut-être que j'ai tort, parce que moi, vous savez, je suis un enfant de la rue. Peut-être que j'ai tort. Si j'ai tort, je vais vous appeler, je vais revenir sur les réseaux sociaux et je vais m'excuser auprès de tout le monde. Maintenant, regardez sur les réseaux sociaux, regardez sur Google, regardez sur l'Internet. Dans quel pays, le team manager de la sélection nationale se retrouve, même pas le pire, pas dans un autre pays à côté, dans un autre continent. Si je me trompe, je vais venir dans le monde entier. Imaginons, d'accord, que le team manager de l'équipe de France vivait en Afrique. Imaginons que le team manager de l'Afrique du Sud vivait aux États-Unis. Imaginons 2 secondes. D'accord? Le président de la République vit en France. Mais c'est la même chose. Donc pour moi, je vous ai dit à plusieurs reprises, je n'ai pas de problème avec Serge Akpo. Mais je ne suis pas d'accord pour que le team manager de la sélection nationale vit dans un autre continent. Mais je n'ai jamais vu ça. Heureusement que j'ai joué pendant des années. Une société, imaginons le directeur de la brasserie vit en France. Le directeur de la brasserie, c'est un Français. Il vit à Lubé. Mais parce que la société, elle est à Lubé. Le siège de la société se trouve à Lubé. J'ai rien contre. Si ça vient de moi, moi-même, je vais. Même s'il veut, je lui laisse une de ma maison. Mais je le sais la main. Mon petit frère, bienvenue. Maintenant, tu as le temps, tu dois regarder tous les matchs de championnat, de 2-1, 2-2, 2, Ligue 1, bon, 2-1, le Nato, ça s'appelle, je crois, la deuxième division, excusez-moi, ils doivent aussi voir les jeunes. On parle des fois, il y a des matchs des jeunes, il n'est même pas là. Alors qu'aujourd'hui, on voit, mais moi, j'ai commencé la sélection à l'âge de quoi? À l'âge de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'Akoussa a été le directeur technique de la sélection à l'époque.
Parce que j'ai grandi avec lui, c'était mon papa football. Parce que c'était mon papa de football. Parce qu'il regardait tous mes matchs. Maintenant, à quel moment ça, je peux dire, le joueur qui a marqué le troisième but, il paraît qu'il est parti il n'y a pas longtemps, je pense qu'il est parti en Algérie. Mais à quel moment ça, je l'ai vu jouer? Il ne regarde même pas le championnat togolais. Donc, et après aussi, entre guillemets, j'ai vu que vous voulez professionnaliser le football togolais. Mais arrêtons. On ne peut même pas. On n'a rien. On n'a pas de stade. Vous voulez professionnaliser quoi? On n'a pas d'infrastructure. C'est maintenant que le pays est en train d'évoluer vers là-bas. Mais arrêtons. Arrêtons de vendre des rêves aux gens. Je ne veux pas critiquer le pays, mais on n'a pas encore. Arrêtons de dire des choses qu'on ne peut même pas faire. On n'a que deux stades dans le pays. Hein? Et encore. Et maintenant, vous voulez professionnaliser le championnat. Comment? Comment? L'infrastructure, on n'en a pas. C'est maintenant qu'on tend vers les choses. Mais maintenant, il va falloir étaler toutes ces choses-là par terre. Au Sénégal, il y a eu quoi? Il y a plus de 30 centres de formation au Sénégal. Il y a plus de entre 10 et 15 centres de formation à Accra, au Ghana. Il y a entre 10 et 15 centres de formation, ou même plus, à Abidjan. Chez nous ici, il y a que Soalouz que je connais un peu bien, qui est structuré, qui ressemble à un centre de formation. À part ça, bon, chacun, les gars, ils le font avec le moyen de bord. Mais pourquoi Madame la ministre va voir le chef de l'État en lui disant que, Mon Excellence, voilà mon budget. Maintenant, je veux aller à la CAN, je vais être qualifié pour la CAN. Mettez ça, 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 ça à ma disposition. Si je ne qualifie pas le pays pour la CAN, mais écoute, ce qu'il y a à faire, je l'assume. Il n'y a pas ça. Mais on ne peut pas avancer. Les joueurs, aujourd'hui encore, le Togo, les joueurs, c'est quand même un pays qui a quand même fait la Coupe du Monde. Le Togo a quand même joué une Coupe du Monde dans sa vie, dans son histoire. Aujourd'hui, le Togo voyage, on voit les joueurs partent de Lomé à Accra pour prendre l'avion pour aller je ne sais pas où. Mais arrêtons ça n'existe plus dans le monde. On est en 2023. On est en 2023, il y a eu pandémie, il y a eu Corona s'est passé. Et maintenant, nous, on vivait comme si on était encore avant Corona. Mais arrêtons. Les primes, changeons les primes. Changeons les primes des joueurs. Ça fait 20 ans, ils ont la même prime. Et vous voulez gagner. Aujourd'hui, tout le monde se dit, ah, ok, nos carrières ne sont pas aussi longues. On joue jusqu'à 32, 33 ans. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, j'ai fait jusqu'à 37 ans. Mais tu fais 32, 32 ans, les clubs, 32, 33, on te dit, hey, monsieur l'attaquant, monsieur le footballeur, merci beaucoup. Allez, ton genou ne répond plus. Mais c'est la vérité. Donc, moi, je sais que je ne veux pas trop me répéter. J'ai dit tout ce que j'ai à vous dire. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Avant tout, c'est le Togo. On est obligé d'être avec, d'accepter la défaite et d'aussi aussi féliciter les joueurs dès qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. Parce que bon, je pense que avant-hier, le dimanche, la première mi-temps a complètement oublié ou a corrigé. Et la deuxième mi-temps, elle est juste magnifique. Et il y a eu un bon état d'esprit, il y a eu l'envie de vaincre, il y a eu la niaque. Donc voilà, on a gagné, Dieu merci. Maintenant, comment faire pour que ça continue? Parce qu'il y a le, il y a les, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui commencent bientôt. Et si on n'est pas prêt, ben encore une fois, on va perdre 2, 3 matchs avant de se réveiller. Et là, par contre, ça risque d'être trop tard. Donc les gars, moi je veux vous laisser parce que c'est mardi. Je dois aller faire un peu le sport tranquillement, jouer un peu aux cartes avec les amis. Et comment? Si vous voulez encore un peu plus de détails, dites-moi. Et j'aimerais bien que le pays aussi, hein, vous aussi. Hein, si moi j'ai. À chaque fois qu'on me dit, ouais, tu as un rôle à jouer, mais sachez que vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Si quelqu'un se lève de chez lui. Il vient, lui aussi il est au stade, il fait oui, ça va aller, ça va aller. Ça ne peut que aller. Donc ma voix, oui, ma voix porte parce que j'étais dans le domaine avant vous où je connais mieux parce que j'ai eu la chance de faire une petite carrière. Là, on parle de football. Mais j'aimerais bien que les prochains matchs, moi-même, on va voir comment
on va se retrouver quelque part pour qu'on aille au stade nombreux, pour qu'on aille vraiment supporter les épervier comme ça se faisait avant. Et nous, quand on prenait la voie de novice, dès qu'on tournait, on voyait le stade de Kégué. La plupart des joueurs, je ne veux pas citer les noms, il y a des joueurs qui pleuraient parce que c'est l'émotion qui prend le dessus. La dernière fois, je disais à un ami, j'ai eu la chance de jouer à Manchester City, au Real de Madrid, à Arsenal, au FC Monaco. Mais quand je porte le maillot de la sélection, ça n'a rien à voir. C'est juste magnifique, c'est beau. Tu as l'impression que tu vas mourir même avant le match. Tu as l'impression que le ventre se ferme seul. Tu n'as pas envie de manger, tu as faim, tu transpires, tu as froid. C'est ça la sélection. C'est ça qui est magnifique. Là, je vous parle, j'ai l'impression que j'ai le maillot jaune. C'est pour ça que quand je vois le maillot jaune de la sélection, je tremble. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais écoute. C'est après la clarté qu'on s'en rend compte. Quand on est dedans, on est des acteurs. On se dit, ouais, c'est un match important, j'avais la pression de. Moi, j'avais une bonne pression. La pression que j'avais, c'était quoi? La pression de faire gagner le match. La pression de faire la différence. La pression de gagner le match pour mon pays. Mais aujourd'hui, je suis un peu plus tranquille. Mais quand je vais au stade, croyez-moi que je peux mourir. Ça bouillonne à l'intérieur de moi, même plus qu'avant. Parce que quand je vois les joueurs commencer à traîner, je me suis dit, Même en étant international, tu te dis, ouais, si j'étais là-bas. Mais les temps sont passés. Aujourd'hui, Adebayor, c'est le passé. D'accord? Maintenant, on va encourager nos jeunes. On va être avec eux, les accompagner, même dans nos prières de tous les jours. Comme nous, on aime prier en Afrique les matins et les soirs, de ne pas oublier la sélection. Avant, je me rappelle très bien hein, quand on faisait à qui le tour à la radio Sport FM, avant que nous rentrons au pays. Il y a plein d'émissions où les journalistes demandaient au peuple de prier pour nous, d'être derrière nous. Maintenant, je vous le demande d'être, encore une fois, derrière les jeunes. Et après, si on ne se qualifie pas, on peut les engueuler, on peut leur insulter. Mais pour l'instant, on doit se focaliser sur la victoire. En se focalisant, qu'est-ce qu'on doit faire? Restons derrière ces joueurs. Pas que physiquement. Pas que mentalement, pas que financièrement, mais aussi en esprit. Priez pour eux tous les jours. On n'a pas besoin de citer tous les noms. Juste tous les joueurs qui auront la chance de porter les maillots des éperviers, que le bon Dieu les garde, que le bon Dieu leur donne bonne forme, que le bon Dieu soit derrière eux. C'est tout ce qu'on peut faire. Ça prend 30 secondes, même pas. D'accord? Merci beaucoup. Moi, je pense que j'ai trop parlé. Vous voyez, j'ai des salives. Bon, peace out. Moi.